Disparition inquiétante d'une jeune femme de 22 ans dans les Hauts-de-France. C'est une disparition inquiétante. Mégane Chevalier, une jeune femme de 22 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis jeudi 2 novembre, jour où elle a quitté le domicile familial à Abbeville, Somme. Protection des personnalités, les petites lubies des politiques. Un ministre ne se déplace jamais sans sa garde rapprochée. Comme le président, ses prédécesseurs, les anciens premiers ministres, et des personnalités de la société civile particulièrement menacées, un service de protection, dépendant du ministère de l'Intérieur, veille à la sécurité des VIP de l'État. Le pouvoir d'affecter, ou de retirer des agents du service de la protection, SDLP, revient au ministère de l'Intérieur. Mais le système débouche parfois sur des abus. Près 800 personnes ont assisté aux obsèques d'Alexia Daval. La famille d'Alexia Daval a décidé de se porter partie civile. Jonathan Daval sera représenté par Murandal Schwerdorfe. Les parents et la sœur d'Alexia ont saisi M. Jean-Marc Florent, qui s'est dit confiant sur l'aboutissement rapide de cette affaire. Nucléaire, pesticides, CETA, les quatre couleuvres que Nicolas Hulot a dû avaler depuis qu'il est au gouvernement. Il n'avale plus des couleuvres, il avale des boas constructeurs. Le député européen Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot s'est fendu d'une attaque en règle, mercredi 8 novembre sur France Info, contre le ministre de la Transition écologique et solidaire. En cause, la décision de Nicolas Hulot de reporter, les objectifs de réduction de la part du nucléaire dans la production énergétique française.